Bonsoir ton tube. Bonsoir ton tube. Déplacement. Donc on s'en était arrêté à tabasser des cochons. On a encore eu des petites mises à jour là vite fait à première vue. Ça, c'est la pelouse de. Ouais, il y a hein. eu des nouveaux. Une nouvelle Moi, j'en faction ai que qui deux à est taper. arrivée. Nouvelle faction, vas-y, on t'écoute. Une nouvelle faction qui est arrivée. Et il y a une unité qui a rejoint chacune des factions. Je veux dire nouveau. Nouveau stuff. Oh glorieux, ça c'est cool. Des nouveaux stuff, des nouveaux. Plein de nouveaux trucs. Plein de nouveaux trucs. Je te propose mon mur. De jouer. De quoi? Mon mur? Mon mur, ouais, tu peux jouer mon mur. En fait je c'est pense. Pour les points que je propose. Oui, carrément, carrément. Parce que là on a rien, ce qui après toi te permettra de jouer Zinlan. Le nul, hein, celui qu'on appelle le nul, vous voyez. Le nul, hein, comme distivant. Mais après, on a 3 points là, c'est cool. Je vais pouvoir déstabiliser, garderais-tu d'acéro? Y'a pas besoin, hein, pas de garde cette créature. Oui, mais quand tu n'as, quand il a pas de garde, tu fais un critique assuré. Le point est remboursé. Oh, triste. Oh, je peux le tuer, hein. On aura toujours les deux points pour jouer ton. Oui. Ton con. Comme ça, moi j'ai ma riposte qui est plaquée sur mon con. Ah, ou c'est vrai que je pourrais aller galoper. Hein. Ouais, l'inspiration c'est cool. Mais on va pas bouger. On va pas bouger. Je vais passer mon tour. C'est nouveau ça! Ah, bah c'est des cochons améliorés. Tant que t'as vu, ils ont un petit speedrun maintenant. Ouais, la lait elle a de quoi maintenant? Empalement. Oh, empalement sauvage. Inflige 21 à 29 dégâts à la cible. Coup critique à assurer si la cible est déjà engagée à un allié. Ça, c'est. Les cochons sont devenus très forts maintenant. Bon, bah c'est. Il était peut-être temps, parce qu'en gros, les animaux étaient pourris. Moi, ce que j'attends de voir, c'est le nonoche. Qu'est-ce que va donner le nonoche? J'ai limite envie d'aller taper le tabasser le cochon qui va jouer là. Ouais, vas-y, on n'hésite point. Régale-toi, amuse-toi. Kiffe ta meilleure life. On peut faire, hein. Voilà. Ça, c'est toujours gratos. Je tue, c'est remboursé. Voilà. Et t'as utilisé quoi là jusqu'ici? Seulement un point, ma torche et mon attaque de base. Donc t'as utilisé Kourou? Ouais, j'ai utilisé ma Kourou. Ok. Donc là, en fait, tu pourrais. T'as tout à fait ce qu'il faut pour, par exemple, faire un. Buter lui, ouais. Te passer ouais, derrière lui. Mais alors, ouais, c'est quoi? C'est faire ton ta frénésie, c'est ça? Ouais. Ça le tue avec ta frénésie? Tire ça. Oui. 72 à 144, sachant, vu les chances de coup critique que j'ai, je passe à. Oui. Vas-y, hein, régale-toi. Hein. Ah, c'est dégueulasse, tu l'as pas tué avec la frénésie. Sad. Mais je vais le tuer avec. Avec? Je vais me mettre là, en support pour toi. Je vais le tuer avec Zinlen. Non, en fait, non, il faut pas que je le tue avec Zinlen. Edena, est-ce que t'es capable. Pourquoi il faut pas que tu le tues avec Zinlen? Je ne vais pas le tuer avec Zinlen, c'est ça le truc. Bah il a 5 PV, tu vas quand même réussir à le tuer avec Zinlan. ouais. Oui, 15% pense... de chance de le toucher, hein. T'es prêt? Ah non, mais c'était pas comme ça qu'il fallait te déplacer, du coup il fallait te mettre sur le côté pour avoir une chance 2, mais là c'est too late. Mais bon, c'est pas grave. Dans ces cas-là, c'était plus intéressant au lieu de vouloir faire le cake, d'aller tuer le sanglier qui était quasiment mort derrière Os de Bard. Lui, tu le défonçais. Ouais. Mais t'as voulu faire le cake. Voilà.
Résultat. Voilà, je viens de perdre. On vient de perdre 18 points de vie. Zinlen le pire, comme d'habitude. Mais vraiment, quand est-ce qu'on va l'abandonner dans la forêt? Pendu à son arc. Hein. Attends, quoi? Insupportable. Il a une riposte maintenant? Le cochon? Ouais, le cochon. Visiblement, oui. Chaque fois qu'une unité termine son tour sur une cellule adjacente à un ennemi, elle gagne riposte. Oh! Défiance. Ok. Non, non, bah les cochons ont été bien améliorés. Les loups. Ça veut dire que ça peut être très rentable d'avoir des animaux maintenant s'ils sont aussi forts au combat. Ah oui, non, parce que comme d'habitude, le problème c'est que tant que tu pourras pas leur foutre des armures sur le dos, ils seront pas rentables du tout quoi. Parce qu'ils vont se faire défoncer la gueule, tu auras des blessures et ça coûte une blinde et ça te siphonne tes ressources. Et tu peux. Est-ce que tu veux jouer un de tes persos? Pour la cochonne là, bah je suis un peu loin. Non, non, bah. La lait dominante, Mélanine, elle peut la fumer ou pas? Pas assez de déplacement. Je suis dans la boue, hein, jusqu'au bout. Okay. Ouais, bah après, elle touche personne, hein, la dominante. Hein. Donc, Elle touche personne? Ok. Bah non. Ça peut être intéressant. J'en sais rien, j'ai pas regardé. Ah, ce soit pas désagréable non plus là. Après, le seul des cochons là. Tac. Tu veux pas jouer, hein, je vais jouer. Vas-y, vas-y, joue. Je recule! Je vais. Hop. Bah, je vais juste me placer là, je vais pas faire de. On manque cruellement de points. Bah oui, on a enchaîné. Ah, en fait, on enchaîne les combats parce qu'on a des besoins financiers particuliers. Oh, c'est vrai qu'ils ont la charge maintenant. Ça... Comme ils ont la charge maintenant, c'est fort. Charge et riposte, là ils se régalent. Mélanine peut buter celui qui a ton close. Pourquoi on va faire enchaîner avec l'autre cochon derrière? Non, je déconne. Juste tu tues celui-là, c'est très bien. On a pas de corde? Non, on aurait pu s'emporter un peu. Hein. Non, je déconne. Et tu te places derrière un capitaine, ouais, de façon à ce que le port te touche pas. C'est bien. Comment il te manque de respect le porc. Ouh. En fait le fait qu'ils aient tous la charge c'est si fort. Bah en maintenant fait, c'est des dégâts gratos tout le temps quoi. Zinlen ne sert plus à rien, ok. Zinlen a jamais. Bah il y a un Edenal qui peut jouer hein. Ouais, il y a plein de gens. Hein. Plein de gens qui peuvent jouer, il y a tirailleux sénégalaise, plein de gens. Ouais. Bah mes trois archers quoi. Tirailleuse, je vais. Alors, toi il y a qui peut encore jouer? Taurus? Les deux mecs du fond ils servent à rien. J'ai que des mecs qui servent à rien, si ils vont. Non j'ai que des mecs qui servent à rien. Mais qui vont avancer okay. Quoi. Ben je vais clauses, jouer. Je n'ai que des clauses combat Shinai, d'habitude. Je vais jouer dans ce cas-là. Ouais. Notre placement était peut-être pas ouf en vrai. Mais bon. Parce que se mettre les pieds voilà. Dans la boue, c'est pas forcément du génie. Bah après on était un peu emmerdé par le terrain. Vas-y fais des dingueries, vas-y fais des dingueries. Ouais j'essaie. GG la gueule. Je libère Sophia. C'est vraiment Edenal le meilleur. Je libère Sophia mais non en fait. Ah si ça va. Il va engager quelqu'un d'autre. Par contre, ouais, mais les cochons, c'est devenu fort. Je me demande ce que sont devenus les loups. De la merde. C'est sûr que oui. Une brutalité supportée. Dommage. C'est plus le cas. Toi, tu te déplaces où? Ok. Bon, bah on va faire jouer une petite tirailleuse. Tirailleuse, elle est assassine, elle est. Ouais, faut qu'elle finisse son tour assassine. À côté des gens. Assassine. Okay. Vas-y. Vas-y. Est-ce que je fais une économie de points? Non, de toute façon, c'est. C'est que du point. Oh, quoi que si, je vais économiser. Vaut mieux. Là, les 4 oui, points, ils peuvent. Ça sert à rien, on est 5 sur un port, hein. Ça, on va s'en sortir. Wouah. Poète.
Il a pas appris la course à ton... ton Taurus. Non, Taurus il a pas la course encore, mais... Il va falloir qu'il l'apprenne, ouais. Ça serait pas mal. Un perso d'assaut, ça serait pas mal. Bah ouais, ouais, bah on est bon, hein. Ouais. Nouveau round. Bah moi je vois bien un os de barde taper deux porcs. Hein. Bah ouais, sauf que je vais te masser les côtes si je fais ça. Ah, tu veux que je bouge avant? Il faudrait que tu le tues avant. Idéalement, puisqu'il est en dos, il est de dos. Ouais. Bah après, oui, c'est... oui. Non, quoi qu'en vrai, ouais, déplace-toi juste pour tuer le porc fini. On économise du point. En vrai, ça sert plus à rien d'économiser du point. Tue ce que tu veux, sinon je te masse la gueule. Ok. Fais-toi, sors de mon champ de vision, là. Mais mes dégâts sont devenus ridicules, c'est quoi ce bordel? Pathétique même, j'aurais ajouté. Et pourtant c'était des crits. Ouais, non mais... C'était des critiques, ils étaient dégueulasses. Mais mes dégâts sont devenus... ridicules. Putain, c'est ta torche qui fait plus de dégâts que tes dagues. Lol. Ouais, ouais. Ah là, ok. Les coups de base, hein, dans le dos, c'est dévastateur. Hein. Et... En vrai, je suis ultra dégoûté que l'ordre tactique... Est-ce que tu veux pas te mettre en mode supporté? Voilà. Je suis vraiment dégoûté que l'ordre tactique soit devenu si nul. Allez, d'ailleurs, on aurait pu regarder entre deux combats si on pouvait l'améliorer. Oui, bah je regarde ça au prochain combat, si tu veux. Ouais. Bah avant le prochain combat, ce serait bien. Oui, au prochain, une fois qu'on a terminé quoi. Est-ce que tu veux terminer avec non, tu vas pas pouvoir le terminer avec os de barbe s'il est tout seul. Bah il est tout seul, il fait moins de dégâts. Comment ça? Bah tu tapes pas deux fois en fait. Ça c'est un porc, ça tu vois. Regarde, ça c'est tu tapes pas trois fois, c'est ce que je veux dire. Ah oui, non, je suis d'accord avec toi. Hein. Ouf. Mais à un moment donné, je suis os de barbe ou je suis os de barbe? Est-ce que je suis pas un peu le tank qui tape le plus fort de cette équipe? Voilà. T'as combien de force que je rigole? 68 de force. Il a juste ce qu'il faut. Hein. Il a juste non, il lui manque un point. Je suis désolé, il lui manque un point. On est d'accord. On est un peu limite. Hop. Regarde, hop là, ça va mon cochon? Allez. Je vais te détendre un peu les côtes, mon cochon. 204. C'est acceptable ou pas? Oh, t'auras pas ce qu'il faut pour le terminer. Donne-moi des points de bravoure, mec, c'est tout ce que je te demande. au passage, la paye se fait maintenant tous les 3 repos. Ok. Bon, on a récupéré un peu de cuir, ça c'est la bonne nouvelle. Merci d'avoir réparé le chef. Ah, d'ailleurs, petite pause, ramène-toi. Ouais. Bon, on a failli mourir. Je prends un livre de maîtrise. Ah, ça, j'ai tout pris. Bon, bah d'accord. Je voudrais voir le lieutenant, mon lieutenant. Est-ce que c'est améliorable comme compétence les ordres? Tu l'as, hein? Non, n'a aucune compétence améliorable. C'est les ordres de lieutenant, c'est devenu de la merde. Et en plus, c'est limité à une fois par combat. Oui, non, c'est vraiment pourri, quoi. C'est vraiment... c'est fait pour meuler un peu de poids de bravoure, mais en vrai, c'est de la merde. Je me pose la question de... Est-ce que si on le met sur Zinlane qui fait 4 attaques et idéalement, il fait 4 morts, ça veut dire que ça dure tout le combat et qu'il génère non plus un point par victime, mais 2. Est-ce que ça, c'est intéressant ou pas? J'essaie de lui trouver une utilité à ce putain de truc maintenant. Non, hein, non mais si, sinon, c'est intéressant. Par exemple, bah, sur des Sophia ou des Coutelier, enfin sur des gens où tu sais qu'ils vont tuer les trucs. Voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant que sur Sophia, puisque c'est notre... enfin, Sophia et... l'autre gros, là, mon gros, là... mon gros tas, là. Merde, comment il s'appelle, mon gros tas? Os de barde. Non, parce qu'il a pas le truc pour quand il tue, lui. Il a un truc quand il engage. Oui, mais enfin tu vois, contre des masses de porcs, il se fait inévitablement engager à fond. Tu vois, comme mon mur. C'est un peu intéressant, parce que mon mur, vu qu'il a la riposte, quand il se fait engager, il tabasse. Mais oui, sinon, ça n'a pas d'intérêt, puisque du coup... En fait, ce qui est emmerdant, c'est que cet ordre-là a rendu obsolète toutes les tactiques visant à gagner des points quand tu regroupes, etc. Faudrait qu'on respecte tous nos personnages en mode assassinat. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et même là, il faut le jouer que sur les gens qui sont fiables en termes de tuerie. Donc en gros, tu le joues juste sur Sophia. D'accord. Du coup, c'est de la merde.
coup, c'est de... J'ai mis les 223. Ouais, en versant la solde aujourd'hui, vos compagnons seront heureux. Ils ont mis une musique d'Oblivion. Tu vois? Bah là, j'ai une musique d'Oblivion. Dans les oreilles. Je l'ai pas, moi. C'est parce que j'entends pas Oblivion, quoi. Si, mais je n'ai pas de musique. Super. Mais moi, j'en ai une. C'est celle d'Oblivion. Ok. Au passage, on gagne jusqu'au prochain repos en versant la paye 10% d'XP supplémentaire. Et 3 de bonheur. C'est versé. T'as versé toi? Ouais, ouais, j'ai versé. Bah, tu viens d'enlever le. Tu viens de l'enlever là. Ah, ok, donc je reverse, excusez-moi. Voilà. J'ai 114 là-haut en chrome, je sais pas pourquoi, qui apparaissent tout le temps. Voilà, c'est bon, ça a dégagé. Bah, 114, c'est ce que tu vois à ta troupe. En train de me stresser de fou. Au passage, vu qu'on a récupéré un peu de ressources, parce qu'on a récupéré un peu de bois, il faudrait combien pour faire un séchoir, un truc, un machin, une merde, un truc. Pour faire la tente, bah là j'ai plus les crocs de toute façon. Oui, pour faire le séchoir. On avait tout volé au trappeur ou il restait un truc à acheter? On avait tout volé. Ok. On avait tout volé. Il me faut 9 de bois, 2 de tissu et 6 cordes. Oh putain, t'as pas de bois sur toi? Non, j'en ai pas. Et ben, il nous manque un bout de bois. Yot. Bon, voilà. Allez. T'as mon mur qui a un truc à dire. Ouais, on va aller voir ça, je range l'inventaire. Gentiment. On a aussi validé des choses, visiblement, dans le marchand producteur. Produire 20 objets à l'aide de matériel de camp. Qui a été débloqué. Mon mur. Allez, fais péter les mauvaises nouvelles. Je peux me la péter. Je peux gagner de l'XP en tant que forgeron. Bah oui, carrément. Complètement. Mais je regardais quand même le troisième au cas où il me donnerait un petit point. Ouais. Point de destin, tu vois. Voilà. Du coup, mon mur en termes de forge, ça donne quoi? En fait, ça, j'ai été con de faire ça. J'ai été particulièrement stupide de faire cela. Pourquoi t'es... Mais parce qu'il est au max. Ah oh, putain. Il est compagnon. Ok, ouais. Voilà. D'accord. Ou alors ça vient de monter au max, mais je crois pas. Donc. Bah c'est simple à voir. Est-ce que avant on avait possibilité d'avoir les 7 de forgeron? Maintenant on a. Non, bah on les avait pas. On a débloqué les derniers 7 de forgeron. T'as les armes niveau 9. Attends, il y a des gangsta for rhyme. Oh, bah go. On va combattre des gangsta for rhyme. Ils ont encore un capitaine, ils ont des hauts niveaux. Un élite. Parce qu'en plus, je sais même pas si tout le monde est niveau 8 là. Parce que c'est que non, les premiers Tyrayeuse est niveau 6. Qui ça? Tyrayeuse est niveau 6, c'est la dernière qu'on a recrutée. Ok. T'as peut-être ton technique des honneurs. Ta bouche, toi, encore. Parce que c'est, pourtant, il est bien éloigné là. Mais Ok, je sais pas. Oh, moi je te dirais qu'on se place tous au sud. Il y a de la place pour tout le monde. Définir le sud. Extrême gauche, là où il y a mes deux. Là où il y a tes deux. Là où il y a. Je suis en train de transférer tous mes persos. D'accord. D'accord. Parce que pour moi, c'est l'ouest. Hein. Ah putain, ouais, c'est chiant. Y a pas la place pour tout le monde. Bah, t'as un os de barbe qui va dans le dos du malfaiteur et de Et en vrai, ça m'intéresse pas. Moi, je me casse avec mes bonhommes, je vais de l'autre côté. Ok. Mais tu vas vite comprendre pourquoi. Oui, j'ai compris. Pas très. Mélanie. Je suis sûr que t'as déjà compris. Elle va aller là. Ah, mais je peux en avoir qu'un. Non, mais vraiment. Mais vraiment. C'est, ça, par contre, c'est horriblement dégueulasse. Vas-y, si je viens ici. Là, j'en ai deux. Est-ce que je peux prendre la place de Sophia avec. Voilà. Je me doutais que t'allais la vouloir. Et ben, ma vie est dégueulasse, je vais rester là quand même, mais ma vie est dégueulasse, donc voilà. Sophia va se décaler aussi, hein, si jamais tu vas en gage lui. Lieutenant Wild est plus efficace normalement que Stevie en... Voilà. Et ah oui, en plus je vais pouvoir en masser 3 là, ça se passe bien peut-être. Peut-être un triple massage, on part sur un massage de 3 personnes directes. Mais à voir. Ben, moi, écoute, placé. On a un malfaiteur. Est-ce que je nous fais des points et j'engage le malfaiteur avec mon mur? Oui, si tu veux, parce que regarde, j'ai placé Sophia pour aller dans son dos directement. Très bien. Eh bien, écoute, on part sur un engagement des. Attends, elle est où? Elle est en haut, c'est ça? Oui.
Ouais, elle est là, mais après, il n'y a Ok, pas regarde, de regarde, trop de regarde. soucis. Je T'inquiète, te ça va fais très bien fondre se parce que t'as pas beaucoup de mouvement avec Sophia. Je t'aide, je te dépanne, t'as passer. vu. Donc, 30% de dégâts supplémentaires contre les cibles engagées. Zéro de plus de garde. Voilà. 55. Petite fureur, ma gueule. Et là, c'est bien dommage que j'ai pas une petite attaque en plus, hein. Vraiment, tu t'en sors bien, mon gars. Ah, c'est lui qui a la fureur, hein, pas toi. Hein. Eh, tiens, tu Oui, non, l'as mais. lui as mis Oui. la petite dégâts. Ah, c'est ce malfaiteur Suivant là un qui va jouet, aller taper dans le c'est bac. lui. Ah, j'ai plus rien pour caquer qui que ce soit par là, hein. Je te le dis. Juste un truc, je pense que je vais aller buter le malfaiteur que tu as engagé avec Sofia, comme ça tu peux prendre Ah, les. l'aggro sur l'autre. Voilà, c'est ça. Ouais, ça marche. Vas-y, régale-toi. Ou alors je réserve Sofia pour après et j'envoie Mélanine, ce qui est à peu près pareil. Bah, il faut voir en termes de PV, hein, ce qui rentre, hein. Elle va aller rentrer, t'inquiète pas. Elle les rentre. Voilà. La Et je vipère, viens. efficace. Faudra voir d'ailleurs si on peut l'améliorer quand on sera un peu plus riche. Comme le Raptor Marteau qu'on peut encore améliorer au passage. Ouais, efficace seulement si t'as un bulle de poison comme là j'ai Oui, là maté. c'est bon. De toute façon, si les gens veulent voir l'efficacité des builds, hein, ils regardent toutes les vidéos. Parce qu'on leur dira pas c'est dans Ouais. laquelle. Et en plus, ces vidéos elles sont super courtes. Amusez-vous Vas-y. bien. Souffrez bien. Mais en Souffrez. silence. Idéalement, si tu dois choisir, autant taper ceux qui n'ont pas de garde, hein. Le truand et le braconnier. Je suis obligé de choisir, putain, un pixel vengeur de merde. Bah. Faites-vous masser les côtes. Ah. L'attendrisseur. L'huile de force qui augmente de 2 les dégâts. Pas un critique, triste. Ah, rien du tout, on a été dégueulasse. Ouais. Les gens ont dit, mais quel scandale. Danse de Vandale. Le truand, il donne quoi, lui? Expérience des pillages. C'est quoi, expérience des pillages? Dégâts critiques de la troupe augmentés de 30%. Ouais, c'est moche. Peut-être falloir régler ça, Shinai. Ah, ou alors, attends, je peux peut-être aller... Ah, je peux pas aller chercher les cosses de barbe. Problème de caillou. Il y a un cailloutage au Problème de milieu. qui? Ouais, non, mais t'inquiète. Wouah, les dégâts. C'est pas moi, c'est lui qui a glissé sur mon marteau. Glorieux. Ouais, Witness! qu'est-ce qu'il donne comme point? Il régale. Ah ouais, c'est vrai qu'il a pas la course, hein, un Taurus. Ça serait appréciable, hein, en vrai, hein, un Taurus qui cavale, mais bon. Un Edenal Toi, qui. peut-être une Sophia, une tout le truand. Alors attends, qu'est-ce qu'il joue là? On Là, a un c'est un braconnier qui braconnier. joue, mais ça peut. Tes archers ils peuvent lui mettre sa zermie, non? Normalement, ouais. Ou Ah, alors quoique, sans. bloquer leur chef ou tuer leur chef comme tu veux. Ça me paraît Ça pas peut se mal, faire. voilà. Et vu que Sophia elle galope comme une sourde, et qu'avec un peu de Ouais. chance, elle va gratter assez de déplacement pour même traverser la flaque de boue et aller tuer le braconnier après. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux vite s'amuser, boue. Triste quand même. Plus d'attaque. Bien. Ça n'empêche, tu peux aller embrouiller quelqu'un ou pas? Ou te placer à côté de quelqu'un? Ou je sais pas moi. Je peux aller me placer à côté de Bard, ce que je ne vais pas faire parce Oui, que parce le qu'il y a un maraudeur va maraudeur nous à taper côté, tous les mais. deux. Je peux me Oui, alors rapprocher attends, d'ici. avant qu'il nous tape tous les deux, il nous tapera jamais tous les deux. Je crois que t'as oublié qu'il y avait quand même deux lanciers dans le coin Ouais, c'est pas faux. avec un Taurus. Voilà, donc C'est pas c'est faux, un peu c'est pas place-toi faux. où tu veux, mais. Et je serais toi Hop. d'ailleurs, je serais plutôt parti de l'autre côté. Puisque bah là, de ce côté-là, il reste plus qu'un mec, hein. Ouais. Qui va se prendre un Taurus dans la gueule. J'annonce. Pas faux. Bah, je te laisse jouer ton. Quoique. Ah, dommage. T'aurais voulu jouer Zinzen? J'aurais voulu jouer Edena et Tyrius. Ah oui, parce que t'as un arche à gérer. Exact. Bon, bah, j'ai été minable. Yu-Gi-Oh, à toi de jouer. Il faut me tuer ce truc-là. Votre braconnier, là. Qui braconne. Alors.
Ceci dit, tu peux tout à fait aller te paquer avec les deux autres. Hein. Déjà, tu donneras supporté à mon mur. Oui, oui, non, mais t'inquiète, hein, c'est ce que je prévois de faire, mais... Oh, je lui mets sa race. Il est pas bien. Hein. Il aime pas très beaucoup ça. Hein. Bah, je ne peux pas. Mon déplacement, pourtant, ne m'affichait que je pouvais, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Allez, tape ton pote. On a perdu un point. Tape ton pote. Merci. Voilà, il est géré. Il a été géré. Bon, bah, écoute, on va déplacer le lieutenant. Mon lieutenant. Will. Ah, Will Survive. Oui, non, mais attends. Excusez-moi. J'aime pas le contact. C'est vulgaire, c'est grossier. Recule. Ah non, lui, c'est le ralentissement. Ah oui, alors attends, je vais me déplacer par là. On va gagner du déplacement aussi. Hein. Voilà. Je déplace les officiers. Voilà. Reculez, monsieur. Voilà. Vous êtes d'une vulgarité sans nom, monsieur. Et moche en plus. On va faire en sorte qu'il tape pas, hein. Je peux pas le gérer autrement. Et bah, il touchera mélanine. Seulement. Et le Zinland nul qui était là, mais qui ne sert à rien. Ouh. Ah ouais, ça calme tout ça. Ça s'est bien passé. On a un bouclier à tomber. Non, il y a un bouclier à tomber d'abord, le bouclier. Normalement. Oui. Ah, mais tu peux pas l'atteindre. Je peux pas l'atteindre, donc je viens, je lui mets une course dans la gueule et après je reviens. T'inquiète. Petite course comme ça, il est encerclé. Wait, what? C'est pas du tout là que je l'ai mis, hein. Je l'ai bien mis là. Hein. Merci le jeu. Eh bien, merci le jeu. Bah, va combattre, va tuer l'autre. Hein. Merci pour cet échec de complet, le jeu. C'était magnifique. Ah, et bien sûr, j'ai pas le déplacement pour. Attends. Il est encerclé. Et si je lui mets que du 27, ça sert à rien. Ah, par contre, l'ordonnée n'a plus besoin d'être au corps à corps. Pour information. Tu peux le faire à distance. Tu peux le faire sur ton mon mur là. Non, fais-le sur sur Mélanine, puisque elle est assassin aussi. Ouais, mais elle est trop loin. Tu peux le faire dans un rayon. Oui, ben ça, il fallait penser avant de te déplacer pour rien. Les actions croatives, je reconnais ça. Pas pour rien. Bah vas-y, fais ce que tu veux. Moi, je crois que ça sert à rien sur moi, non. Ouais, non. Chaque fois qu'une unité s'engage. Ouais, non, moi, c'est quand je m'engage, donc... Donc là, pour je peux tomber sa garde, hein, super, voilà, a plus de garde. Et peut taper dans le monsieur, il a quasi plus d'armure, voilà, félicitations, il est devenu gratos. Affaiblissement, les dégâts sont réduits de 50% adjugé. Vous vous démerderez avec ce qui reste. Voilà. T'as assez de gars normalement pour me le terminer, hein. Sinon hein, vous me dites tout de suite, hein, je renvoie un gros avec sa masse, il va taper tout le monde. Hein. Alors, il va vous apprendre à combattre tout de suite, hein. J'envoie le gros là. Alors regarde, il arrive jusque là le gros. Hein. J'ai oublié de lancer un chrono, l'épisode va être beaucoup trop long. Attends, je regarde vite fait ce qu'il nous dit l'épisode. Il nous dit on est à 30 minutes, ça va. Il est pas mort, monsieur? Ah, si. Et l'autre monsieur, il est pas mort? Monsieur, il est pas mort. Il est toujours pas mort.
Mais la course qui va pas du tout là où j'ai demandé, ça me... Ah, il est taquant le jeu. Une grande hache, une arme à deux mains, c'est vendu. Edenal vient de level up. Tissu, des thunes, des réparations à faire. Voilà. Et on a débloqué des points dans un truc, un machin là. Visiblement, ouais. Non. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Qu'est-ce que... Je... Oui, t'as un personnage à monter, c'est ça. Ok, c'est ça, ouais. Pas de soucis. Qui est Mélanine? Non, il est non. Edenal. Edenal? Ok. Mm-hmm. Alors, Tirailleuse, elle est 6, 7, 7... Ah oui, non, mais il nous fait affronter des 8, alors que des 8... des 8, le jeu, il est cool, hein. Mais je crois qu'on est 2 8, là. Ah non, il y a un 8. Non, sérieux? On se tape des niveaux 8 juste parce que Osdebard, il est genre trop fat? Bah là, on vient d'avoir un niveau 8. Qui est? Edenal. Ah, Edenal, niveau 8? Ouais, il vient de passer niveau 8. Non, il est où, Edenal? Il est caché où? Je viens de monter Frisson de la Chasse. Putain, incroyable, hein. Je viens de monter Frisson de la Chasse. Frisson de la Chasse fait que tous les tirs à plus de 6 mètres de distance confèrent 2 de rage. Un effet de rage met 5% de dégâts supplémentaires. Il lance 2 flèches par tour, il peut donc gagner 20% de dégâts supplémentaires. Les gars, pourtant, ce sera pour Zinlen. Faute grave. Pourquoi? On a Poney, le petit dernier du groupe. Il a pas de fonte. Ouais. Je le sais, mais on a pas de bois. Là, bah oui, si, là, on en a 8. Oui, c'est vrai que c'est la misère. Ah, bon, après, attends. On a de la place pour transporter. Attends. Non, mais on a encore. Est-ce que tu peux me donner du cuir et du tissu? Il y a plus de bois dans les fontes. Il y a plus de bois dans les fontes. Ah oui, ouais, il faut combien du cuir, faut de et cuir, 3 de cuir, 3 de tissu. Oh là, formidable. Ah, regarde. Il m'a manqué un tissu là, merci. C'est bon. Et tiens, je ne peux pas lui équiper donc voilà. Ce monsieur là, tata, tu peux. Ah, et tiens, j'ai toujours ça que. On va faire des ragoûts de cochon, excellent. Mais garde-les, c'est pour refaire ton. Je sais plus quoi là, non? Bon, bref, je te rendrai ça plus tard. Bon, poney. Où ça, c'est mon poney, ça, je reconnais. Hop là. Et j'étais en train de voir pour un truc. Ah oui. Hop, Taurus. Tu passes là-dessus. Et. Confirmed. Il faudrait que tu me fasses un ragoût de cochon. Ce qui va nous libérer. Voilà, les haricots, ils ont dégagé. On repasse à la pelleteuse. Hop là. Pelleteuse à sel, bien sûr. Bah on peut plier les Gaules en attente de Shinai. Ok. Vraiment que j'appelle un épisode en attente de Shinai. J'ai toujours pas fait. Vraiment, vengeance, à un moment donné, faut qu'on le fasse. Qu'est-ce qui nous intéresserait? Il y a un camp, il y a un petit truc à aller voir là-bas. Ah, attends, il y a un bout de bois là. Le bout de bois de, la bout de bois de ta life là. Là, normalement, on peut craft un truc, Shinai. On peut craft le. Hop le là, truc posage de bois. Il te faut combien de bois? 9 de bois si je dis pas de bêtises. Tu l'as pour... J'ai plus de trouver un bout de bois, j'ai pas trouvé plus. Tac, tac. Et 2 tissus s'il te plaît. 2 tissus? Tac, tac. Ouais. 3, j'en ai trop mis. Mais ok. T'as compris. Mm-hmm. C'est tout ce qu'il fallait. L'étendoir à viande est fait. Pas l'étendoir à viande, l'étendoir à peau, pardon. À peau. Ah. Bah si on veut Ta-da du cuir, si on veut du cuir moustache, on peut mettre quelqu'un dessus. Hein. On a un petit peu de carcasse, oui, hein, si jamais. On peut mettre le lieutenant Will pour le prochain repos. Je retire. Excusez-moi. Il faudrait juste le lieutenant qui est dans la tente, s'il vous plaît. Ce qui veut dire qu'on ne va plus régénérer de points de bravoure. Bah ouais, c'est ça en fait. C'est vrai que ton choix était très politique, je trouve. Mais maintenant remettre, qu'on a plus de cornes. Non, je peux mettre Sophia si tu veux. Ah oui, on a plus d'objets volés. Ah oui, bah vas-y, voilà. Let's go. Non, puis comme... Oui, oui, attends, je vais te refiler de la cam. Il te faut d'ailleurs combien de cam pour faire un truc? Je sais pas, mais... Tac, ouais, ça, il t'en faut 3 pour faire de cuir. 3 pour faire de cuir. Moi, j'en consomme 2 par 2. 1, 2, 3. Hop, je t'en refile 1. Il sera à 9, donc on sera pile raid en carcasse.
Ouais, Et ça devient bon, j'aurais intéressant là. fini les bouts de viande, donc après je pourrais réaffecter quelqu'un ou repasser en ville, rattraper justement le coffre où on a des carcasses fantomatiques à transformer aussi. Ouais. Est-ce que tu crois que ça va faire du cuir fantomatique si on le met en cuir? Ah, putain, ce serait cool. Ah, ce Oh, serait pas ce serait du carrément génie, cool. mec. Ah ouais, Ouais. moi ça m'intéresse de tester ça. En attendant, est-ce qu'on n'a pas des ordures à pourrir? Si, si, on en a, je crois. Ouais. Ah tiens, regarde, notre quête. Oui, je rase juste tout bien pour voir si on n'a pas un bout de bois qui traîne. Un machin, un truc. Ah, Mélita la picoleuse. D'accord. Donc là, c'est des niveaux 6. Ok, là, c'est acceptable. Ouais. Avec, par contre, deux chefs, hein. Deux chefs Ouais. haillons. Et un C'est. chef supplémentaire qui est un commandant. Et c'est pas des chefs, c'est des élites. Je crois que c'est des élites maintenant. Plus des chefs, c'est des élites. La chef va être symbolisée différemment. Que là, elle a un titre. Elle a un nom, elle a un titre. Et on n'a pas de points. Ça, c'est chiant. Elle est assassinée celle-là ou il faut l'attraper? Moi, sinon, je Faut la ramène après. il faut l'assassiner. L'assassiner, ok. Elle est où Donc, un l'orconasse en légionnaire, chef? un Légionnaire, spadassin. je le Tiens, il est vois. là. Ah oui. Regarde, l'étoile est Mélissa la différente. bricoleuse. Ok. Comment je vais Oh! regrouper mon crew? Oh putain, j'ai envie de laisser. Waouh, j'ai envie de laisser. Là, je vois une lance, là, j'ai envie de laisser un Taurus tout seul. Le pilum d'officier. Il le faut pour notre. Comment ça? Le De nom. quoi? Bah regarde son arme. Ah, il a, une, elle a ah, un pilum d'officier. Ouais. Ah ouais, c'est le truc de lieutenant, mon lieutenant, ça, sur 20. Par contre, j'aime beaucoup aussi son torse. Son quoi? Son torse, son armure. Sa cuirasse, ouais. Critique plus 4%. En intermédiaire, elle est intéressante pour un Taurus. Ah 4% de critique oui. supplémentaire. Ah, il faudrait même l'engager pour éviter qu'on Même se pour prenne des un lieu. Non, 5%. parce que je crois que Taurus il a déjà mieux. Attends, il est où juste Taurus pour voir, je crois. Toto, mon Taurus, il est caché où? Putain, il est où ce con? Ah, mais il est au milieu de la carte. Il a plus 4% de critique. Elle aussi. Ah oui, non, j'ai 17 d'armure. Non, 17 de garde et 10 d'armure. Elle est mieux la sienne. Ah, par contre, putain, elle a une masse d'armure la sienne. Moi, il faut que je place un Taurus, c'est sûr. Ah, ou pas? Ou alors, attends, attends, parce que je crois que Taurus il a beaucoup de force, mais je crois qu'il y a les lieutenants aussi et Tourner Manège qui a masse force. Là, on est à 36 par ici. Et idéalement, Il est où mon lieutenant? la première personne à buter, si tu veux mon avis. Oui. C'est Mélissa. Parce qu'elle donne un truc, c'est l'opportunisme du chef. C'est 5% de santé. On se prend 5% de santé par coup qu'on prend. Ça passe à travers l'armure. Donc je suis pas très très chaud de me prendre ça. Ok. Putain, je m'aperçois qu'on engage un combat, on n'a pas de points, on a toujours pas de points. Oui, on a toujours pas de points. Hein. On a toujours Faut pas de faire une points, non. croix sur les points là à l'heure actuelle. Hein. Oui, oui, j'ai bien l'impression. Mon mur, il peut gratter. En plus, les maps sont vraiment horriblement dégueulasses pour gratter du point. Genre, j'ai pas pire. Genre, j'ai réfléchi pour voir si je pouvais avoir pire. Le jeu m'a dit non, j'ai pas pire. Vraiment, je. Ah Tu si, peux aller alors si, engager. je pouvais faire du point à première vue, mais alors il aurait fallu que je le mette. Ouais, faut ramener tout le monde là, quoi. Ouais, mais nous on veut Parce aller que ça nous buter intéresse. Mélissa. On veut aller buter Mélissa, nous. Tout à fait, on Et veut ton mon engager. mur. Attends, attends. Ton mon mur là ne va pas ne l'atteint pas. Donc est-ce que tu veux que j'y aille avec un voleur? De toute façon, mon mur là il est mal placé, c'était un test, hein, mais il touche rien ni personne. Hein, Ouais, il faudrait qu'il se mette là. donc il faudrait que je le mette là. Là j'en ai une. Attends, si je te bouge juste pour me mettre par là. Ah, regarde. Ok. C'est bon, là j'en touche deux. Et est-ce que tu atteins Mélissa? Non, tu n'atteins pas Mélissa. Handicapant. J'attaque pas Mélissa. Putain, il y a Mais aucun. après. Lui non plus, il court pas, mon mur. Hein. Mon mur et Taurus, ils ont pas la course. Hein. Ouais. Bon, après, Mélissa, est-ce qu'on a besoin de l'embrouiller tout de suite, tout de suite? Elle donne quoi, tu m'as dit, comme compétence au Bah, à guillemets? chaque fois que quelqu'un te touche, peu importe comment il te touche, c'est 5% de santé supplémentaire dans ta gueule. C'est chiant, ça.
Bon, c'est supportable en vrai. Mmh. Moi, je peux embrouiller le connard qui est devant nous. Oui, bah Dans le attends. mode de... Mais je peux complètement le faire. Vas-y. Regarde. Ok. Bah oui, regarde. Ah, ici. Mmh. Mesdames Ah, et le messieurs. buter. Si tu le butes, ouais. Oh putain, oui, bonjour les dégâts. L'huile de force qui proque là-dessus, pas Oui, mal. j'ai un petit peu de. Je sais pas, j'ai un petit peu de. T'as un peu de force, oui, t'as un peu de Oui, force. ça va. J'avais oublié ce détail. Oui, ça va. Ah, Non, ça va. triste, tu l'as pas engagé du coup. Ah, s'il fallait que je l'engage. Ouais. Putain. Sad. Il est mort trop vite. Il est Dommage. mort trop tôt. Il est mort trop tôt. Si jeune, mort si tôt. C'est si triste. Bah, je te laisse Mais jouer tes close combats pour les sans. rapprocher, hein. On peut discuter, hein, ma fille, hein, on peut. Alors lui, il a un peu de force, hein. Pareil. Ah bah c'est le premier qui se l'est pris dans la gueule. C'est pas dommage, hein. Tac, 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 tac. Bonjour. Touche les deux là? Alors, bah, l'idée c'était plutôt d'aller embrouiller l'autre pétasse que de toucher les deux là. Mais oui, je peux toucher les deux. Vas-y, regarde. Boum. Boum. Comme ça t'en butes Encore un, un quand petit? t'en butes deux. Allez, un petit! Un petit! Voilà, toujours le petit dernier, mon gars! C'est pour la route, celui-là. Ah Voilà. ouais. Et là, hop! Tu veux goûter à ma bonne grosse compétence? Ça tape un peu, hein. Et du C'est coup ils subtil n'ont ou pas? plus. Voilà. Et du coup, ils ont plus leur. Si, ils l'ont Ah encore. si, ils l'ont. Il faut la buter. D'accord, maintenant faut Il la faut les buter. buter maintenant, les chefs. Bah voilà. Et... Tu me permets avec Sophia, s'il te plaît? Tu attends, c'est bon, ça se fait? Oui, ça se fait, large. Ah oui, tu as planté l'autre. Excellente idée. Non? Ouais. Ouais, Ok. je vais le planter. Peut-être. Ils ne nous guideront jamais. En fait, c'est même foireux ce que je vais faire. Non, faut que je fasse ça, une course. Petite course, mais t'as plus de points après, hein. Je sais. Ah, je suis à 100% de coup critique dans le dos. Sympa Bah quoi, oui, c'est ça. pour ça qu'il faut t'aider des couteliers, quoi. Et là, ils n'ont plus. Voilà. Parfait. Et puis, je vais. Il génère beaucoup de points là. Personne. Personne génère du point. Là, je vais me... Non, si je me mets là, je pourrais pas me mettre derrière os de barbe. J'ai le déplacement pour. Ça, je suis peinard. Est-ce que tu me laisses jouer avec Edena? Attends. Edena ne peut aller mettre à côté de personne, ça vaut pas le coup. Comment ça, il est où, Mélanine. Edenal? Là. Ah, c'est. Ok, d'accord. Je pensais que c'était Zinlen à cet endroit-là. Oui, tu t'es bien un Non, peu. Zinlane est dans la boue parce que je voulais prendre les trois là. Et idéalement, faudrait que tu joues Taurus pour aller buter le spadassin là-bas. Donc je te laisserai l'initiative en vrai. Pourrais tuer le spadassin? Bah, tu peux aller buter un des deux spadassins, je crois. Oui, mais Ah. celui dans la boue, je vais le laisser dans sa merde. J'en ai rien à Ouais, foutre. laisse-le dans sa merde. Moi, je te parlais de celui-là là. Ouais, celui-là, on peut aller discuter avec lui, ouais. On Ouais, peut ça peut se faire. aller l'embrouiller, hein. Oui. Il est dans la boue, il Oui, va pas se bonjour, lever, hein. monsieur. Le Ça fait 45, toujours un il peu fait mal, mal. certains disent. Et puis, petite attaque de base, puisque je crois que j'ai plus de move. Hein, j'ai plus de move, hein. J'ai plus de. Et puis, j'ai plus Vas-y. de. Voilà, je sais pas. Bon, bah, il faut mourir, monsieur. Voilà. Je suis pas très loin d'Edena, si jamais ça peut lui permettre de se rapprocher. Non, bah non, il Ensuite, y il a y a des rochers Spadassin qui. là qui joue, donc lui il sortira jamais de là. Moi, je me serais bien éloigné de tous les autres connards qui sont là. Vas-y, prends Du coup, je prends le. Steve, je le dégage, hein, je cours. Enfin, bon, Vas-y, c'est juste vas-y. pour courir, hein, je me tire, je me raccroche à la vie. Hein. Et après, Parce que tu j'aurais peux même même pas de bouger bonus. le lieutenant, mon lieutenant.
Ah, oh le bâtard. Ah bah oui, ils ont le petit sprint dégueulasse. Très bien. Et j'ai pris un malus de move, bien sûr. Ouais, évidemment. Putain, on va perdre tous nos bonus à la con. Ouais. Si je peux me placer là, à la limite, si quelqu'un veut prendre du brutal. Vas-y. Par exemple. Ça peut être intéressant pour une petite mélanine. Et en plus, leur truc d'ordre, excuse-moi, tu disais, ouais, tu peux le faire n'importe où. Zinlan, il est trop loin. Genre, c'est vraiment dégueulasse. Non, non. Le rayon, il était comme avant, il est nul à chier. J'ai dit à distance. J'ai dit oui, à distance, ouais. 3 mètres. Bah, hein, c'est à la portée de la lance, quoi. C'est de la merde, c'est dégueulasse. C'est vraiment de la chaise, quoi. Y'a rien d'autre à dire. C'est dommage qu'on arrive à tuer personne. Attends. La personne a buté là en plus. Bon après si y a une chose que tu peux faire là c'est prendre Edenal quand même pour pousser le mec et péter sa zone hein. Ouais ça va être ça hein. Alors, je vais pas me mettre trop près. Voilà. Hop, ta zone est pétée. Comme ça mon mur pourra jouer. Deux de rage. Toujours intéressant, et je me rapproche un peu plus, comme ça j'aurai quelqu'un. Non. Tutu. Si y a un bouclier qui a décidé de taper les plus faibles, tu vas prendre. Non, il y a Taurus à côté. Mmh. Oh, heureusement que le jeu joue comme un PNJ et pas comme un PJ. Hein. Ouais, motivé. Je connaissais pas motivé. Ça. Moi non plus. C'est quoi motivé? Dégâts augmentés de 10%. Pardon? Ah, c'est le... Oh, c'est un flic, c'est... motivant, c'est son bouclier qui lui donne ça. Bouclier, c'est trop bien ça. Targe la légion. Cool. Stylé en vrai. Trop bien. C'est stylé. Trop bien les trucs, les petits trucs. Voilà, j'allais dire, ouais, c'est ça si Mélanine veut découper des gens maintenant un peu. Ouais, ça va être ça. Hein. Si elle peut découper des gens, c'est même pas sûr. Ah, elle a pas de points, donc elle est un peu triste. Voilà. L'autre aussi, il est un peu triste. Un peu mal quand même. Vas-y, là, il peut taper que son tir de base, bien dégueu. Je regarde un peu où je mets le plus de dégâts. Bah, ego. T'as combien de chances de coup critique, Zinlen? 30%. Ah ouais, d'accord. Peut-être une faute d'affichage, hein. T'as peut-être que 3,3%. Ouais, c'est ça. Tirailleuse? Et tirailleuse, bah elle va taper... commencer à rentrer un sapeur, hein. Ouais, ça va être ça, hein. Je vais me mettre derrière mon mur. Ouais, tu peux commencer même à te placer plutôt à côté des dénales si tu veux gagner un peu de mouvement sur la suite de la troupe. Et pas trop trouver trop loin. Ouais. Là, comme ça me paraît pas mal. Voilà, soit même collé à Taurus, je sais pas jusqu'où tu peux aller, tu vois, mais... Non, je peux pas, je peux aller jusque là. Ouais, bah voilà. Ou même si tu voulais passer juste à côté de mon mur, mais tu vois, histoire que tu perdes pas trop de mouvement, que tu te dises pas putain, je suis vraiment derrière, quoi. Regarde, je vais me mettre là, comme ça tu pourrais être engagé au close avec... Enfin, comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, tu te places quand tu veux. Pas de soucis. Et lui qui va jouer mais qui ne va rien toucher. Bon. Il dérange tout le monde. Ouais. Alors, on a quelques corps à corps engagés, mais là ce qui va nous intéresser, c'est de péter ce sapeur-pompier. Alors, oui ou non? Parce qu'en vrai on peut peut-être pas faire. On est peut-être pas obligé de faire ça. Oui ou non, je peux peut-être y aller avec. Quelqu'un une... qui tue. Voilà, je tue et après je m'engage sur le légionnaire. En mettant le double avec coup. Qui? Avec Sophia. Avec Sophia, ouais, ça pourrait complètement se faire. Hop. Hop. 42. Tac, je mets un petit coup de dague. Et. Encerclé. Et je lui mets ma grosse attaque. Ça te va ou pas? Ouais, vas-y, comme tu le sens, tu. Hein. Mal. Bien joué.
Et... Franchement, est-ce qu'on vous dirait pas que c'est carrément mieux que Zinlen? Zinlen, je vais me marrer quand il fera pas de critique et qu'il sera à 99,9% de critique. Et je vais rester à côté de Mélanie. Non, je vais me mettre entre les deux, comme ça je peux... Glorieux, ouais. Witness. Est-ce que je peux prendre le lead avec Zinlen, s'il te plaît? Avec Zinlen? Ouais. Ah oui, parce que t'as 2 points, ça y est, tu peux jouer, youpi. N'hésite pas. Hein. Je vais lui mettre l'attaque de base à lui. Bah t'aurais pas dû. Ah si, c'est peut-être plus intéressant parce qu'il a quasiment plus d'armure. C'est ça. Et obligé de passer comme ça. Ouais, c'est très bien. Ensuite... À partir de là, non, bah attends, moi je crois que je peux le pousser lui. Ralentissement, okay. Stadium. Ah non, je peux pas le pousser, c'est Will. Mm. Il pousse pas. C'est. Et attends, le prochain à jouer, il est au top et j'ai pas envie de me le prendre dans les côtes. Il est là. Bah t'as juste à reculer. Il a pas de déplacement. Oui, c'est ça, mais il faudra que je bouge. Faut penser qu'il faudra que je bouge. Ouais. Mais moi je pouvais juste. Ah, attends. Peut-être mais vas-y, Edenal... tu peux par exemple prendre Edenal, avancer Edenal à côté de Taurus. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Voilà. Hop, je me mets là. Pousser un Garen, paf. Et on le pousse, et j'augmente encore mes dégâts. Bah ok, je l'ai poussé. Un peu fort, mais je l'ai poussé. Et là, il a 20% de dégâts supplémentaires. Bon, bah, voilà. Edenal. Et un point. Peux faire aussi, là, c'est prendre... Ah bah non, ça consomme un point, et on n'a pas de points. Ah si. On a un point. Cette compétence a déjà été utilisée pendant le combat. Non. T'as utilisé ordre tactique? Non, même pas. Bah, il y a marqué cette compétence a déjà été utilisée pendant ce combat. Attends! Question con! Là, je suis quand même à un stade où je suis en train de me dire, attends, Mais non, mais attends, qui l'a utilisé? J'ai pas utilisé, mais t'as utilisé la motivation de combat. Oui, je suis en train de me dire, attention, c'est on a le droit qu'à une seule. Non, oh, c'est de la merde, je suis désolé, c'est de la c'est merde. C'est dégueulasse, c'est vraiment de la merde. C'est de la merde, parce que je l'ai vraiment là, pas là, en fait, c'est tellement de la merde que je me demande si c'est pas la table tactique qui va permettre d'améliorer tout ça, parce que là c'est vraiment pourrave. Faut regarder la table tactique, là, faut vraiment l'améliorer. Là, c'est vraiment ultra pourrave. Si, je vais descendre là, moi, je m'en bats les couilles. Moi, je viens ici, là. Okay. Et tu recules. Voilà. Et là, je t'explique, bonhomme. Tu recules. T'es content que j'ai tué, hein. Ouais, mais toi aussi, hein. T'es content d'avoir fait un critique pour la première fois, là. C'est la première fois en 18 épisodes, hein. Oh. C'est le mec l'a bu. En fait, t'es content d'avoir un lieutenant qui te donne des bonus. Tac, tac. Ah bah oui, carrément. Moi, je vais t'abandonner, d'ailleurs. Non, je connais un lieutenant qui t'a abandonné. Oh, j'ai plus la bota. Eww. Bon bah il va mourir lui. Lui il est dans la boue. C'est un gadou. Attends mais il a la course lui aussi. J'ai un gros. Mais je vais attendre que l'autre il vienne. Comme ça je vais peut-être pouvoir taper les deux en même temps. Ouais et ben je vais rapprocher Tirailleuse si tu me le permets. Ouais non, je peux envoyer un toto hein, pour taper dessus. Oh, vas-y. Ah non tiens toi Tirailleuse elle peut pousser. Oui. Ah vas-y. Mais vas-y. Ça coûte un point. Ça coûte un point de pousser avec elle. Eh ben, c'est pas grave, on a un point. Comme ça Zinlen il va faire pan. Ah oui, ou tu fais juste ton tir de base. Parce que ouais, 22 PV, ouais, bah, si tu le tues juste avec ton truc de base, tu le tues juste avec ton truc de base. Voilà. Du coup Taurus tu sers à rien, bah on va ramener mon mur parce qu'il est un peu loin. Hein. Vas-y. Je suis votre capitaine. Voilà. Est-ce que j'allais dire si tu peux jouer tout le monde. Quoi qu'il y ait, je vais lancer Taurus. T'as joué tout le monde? J'ai joué tout le monde, il reste plus que Taurus et House of Bard à jouer. Ah, j'aurais pas les deux. Hein. Non. Ah, j'aurais pas les deux, dommage.
Ah si, je peux en... ah, je peux biffer les deux lieutenants d'un coup là, hein. Et je tue les deux, hein. J'ai certifié, hein. À 168 oui. dégâts sur le lieutenant Will, hein. Certifié, mec. Ouais, tu les tues. Un petit 62 dans les dents, ça ah oui, mais je suis pas au cac. Ah merde. Je suis pas au cac. Ah non. 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 Bon, je vais pas faire de conneries. On va être fait. On va laisser couler le tour. Un nouveau round commence. C'est bon, je peux taper les deux. Vas-y. Bah, peut-être là, ouais, en t'avançant un peu, tu peux peut-être taper les deux. Je pense que je peux peut-être shooter les deux. Ah, attends. Oh, y'a un monde. Y'a un monde. Y'a un monde où ça. Ah non, 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 tu vas prendre tes deux chiffres, toi. Ah, non. Attends. S'il vous plaît, non, mais attends, non. Attends. Tu t'en vas pas comme ça, mon gars. On a des choses à dire. On veut partager des choses. Oui, t'as ta lance. Oh putain, le lieutenant. Attends, y'a peut-être un arc aussi intéressant, toi. Plus non, c'est l'ordre de tir, c'est le. Oh, c'est de la merde. Ouais, c'est l'arc. Par contre, on a gagné de la picole et du tissu aussi, c'est cool. Ouais, je et Taurus est passé niveau 8. GG. Pouh, bébé. Hop. Et on peut aller chercher notre prime, ce qui va nous donner un peu de Zeios avec ce qu'on a à vendre, ce qui fait qu'on pourra acheter des marchandises et tracer tout droit. Toi aussi, t'as un gars qui est monté en niveau, non? Ah non, c'est Taurus. Prochain Taurus placé comme il est, on a l'impression que. Prochain combat, Zinlen passe niveau. Alors, Taurus au niveau 8. Alors, on propose plus de constitution pour Taurus. Ça vaut le coup? Non, moi j'ai 30% de critique, plus de force. Voilà. Plus de Est-ce que tu veux le tome d'amplification, le tome de maîtrise de compétences, ou je le garde pour Zinlen sur ses attaques? Je vais aussi prendre frisson de la chasse, hein, le truc qui augmente de 10% par 10% les dégâts. Alors, crit de guerre, c'est de la merde. Pourquoi, c'est quoi? Ça donne la brutalité à tous les alliés dans la zone. Gagne la brutalité. C'est une zone de 6 mètres, donc c'est pas mal. Mais c'est de la merde. Ouais. Après, faut voir c'est quoi l'amélioration. Oh, puis ça te fait claquer un point de bravoure, quoi, donc c'est relou. Ouais. Cri de défi, c'est attire en mêlée tous les ennemis dans la zone, applique fragilité pendant un round à tous les ennemis ainsi désengagés. C'est pas intéressant, c'est pas notre tank. Je suis pas le mec anti par contre, c'est presque dommage que il joue pas avec ça. En fait, t'as un bon combo avec le tourbilol qui tape en fonction des gens qui sont autour de lui. Oui, mais c'est ça, mais faut le jouer solo. C'est pas le en fait, je l'ai pas monté sentinelle commandement tout ça, donc c'est pas trop son cas. Et en fait, extase aurait pu être intéressant, mais on n'y est jamais, quoi, en extase, quoi. Tant que cette unité a moins de 50% de santé, elle inflige toujours des coups critiques. Je suis jamais en dessous. Après, on peut le prendre au cas où on tombe sur un boss énervé qui me fait tomber à moins de 50% de PV, quoi. Parce que techniquement, je suis parti sur un build barbare. Ouais, après, ouais, ça peut être intéressant, sachant que si on va chercher le boss de la région de Cortia... Et Cortia, l'arc... J'en sais rien. J'avoue, j'en sais rien. C'est la région où on est. Oui, c'est la région où on est. On va certainement avoir des persos qui vont tomber en dessous de 50. Hein. Voilà, donc il y a ça. Ou alors on va chercher le truc qui donne la brutalité. Parce que c'est quand même une zone de 6 mètres. Voir si ça apporte quelque chose, etc. Mais ça sent le truc qui sera pas joué si on l'améliore. Mais bon. Vas-y, on va prendre ça. Et tu peux. Regarde ce que ça donne quand ça... tu l'améliores. Hein. Voir si ça le rend utile. Plus utile en tout cas pour toi. Oui. Faut que tu le prennes dans l'inventaire. Ok. Ah oui. Alors il aime pas ça si on fait ça comme ça. Donc voilà. Alors si on l'améliore, c'est brutalité au lieu de 2 rounds, c'est pendant 3 rounds. Voilà. Et c'est une zone de 10 mètres. Zone de 10 mètres, ça peut être intéressant. La brutalité, c'est quoi déjà? C'est 30% de dégâts supplémentaires? 30% de dégâts supplémentaires. Disons que ça devient intéressant de mettre Taurus au milieu de tes couteliers et ou tes archers, quoi. Ouais. ou alors avec un gros marteau. Ouais, mais ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'être collé à tes lanciers. Et la brutalité, on la gagne quand on est collé à tes lanciers. Donc, oui, c'est ça.
Après, c'est en fonction de comment ça va se passer. C'est toi qui vois, je l'utilise ou pas. À toi de voir. En vrai, à toi de voir. Moi, je sais que moi, si me tu pose l'utilises aucune pas, je le question. mets sur Zinlane. Ouais, bah, on va sûrement pas J'utilise sur pas. Zinlane, hein. C'est bon, c'est utilisé, hein. Surtout pas Zinlane. Jamais. Jamais il ne sera utile. C'est refusé. Bah on retourne à Cortilla. Cortoya. Ah tu veux. Bon on l'a déjà vu le moulin. Bah je veux voir si il y a des trucs à prendre. Ah bah non ouais, on y on était avait déjà loot. Ouais on a avait tout déjà loot là. Putain je suis con. Je suis con. Là, on a même récupéré le poney. Si on peut aller voir là dans la petite forêt vite fait s'il y a des loot là. Parce qu'on n'a pas trop. On n'a pas trop. C'est parti où là le jeu qui m'a fait un petit rollback. Voilà, voir s'il y a des. On va l'accueillir aux champis, des bouts de bois, des machins. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Il n'y a rien. Bon, après, on pourrait vraiment faire des grands tours, mais bon, est-ce qu'on en est là? Un spécialiste, améliorer 3 améliorations de compétences. Allez hop, c'est bouclé, c'est dans la poche. Ah, il y a des loups là. Il y a de la bouffe. Il y a des loups. Où ça hein? Je les vois pas. Ah oui, c'est bon, je les vois. Chargé. Des loups de niveau 6. Ah, en attaque surprise. C'est cadeau ça. Je voudrais juste regarder. Je voudrais juste regarder. Leurs nouvelles compétences. Ils ont été changés. Oui, clairement. Hein. Vas-y. Hein. Morsure. Ils ont dérobade. Cette unité gagne déviation. Pardon? Pardon? Fort ça. Et un alpha, fais voir. Qui l'a? Il a des robades aussi, mais. Ah, il a et rien quand plus il tape. Costaud, alpha non, il a rien de plus costaud, mais il a toujours les. Critiques assurées quand il touche un saignement et il fait saigner. Ok. Quand il tape quelqu'un sans armure. Donc, à faire gaffe, c'est tout. Pouette. Que tu veux donner du poinx? Ah bah je pense que oui là, surtout qu'il y a l'air d'avoir un petit spot là. Si tu ramènes ouais, des gens là du côté falloir... de mon mur. Il va y a un petit spot hein. Je te cache pas descendre. Que... Alors je vais mettre tous mes archers derrière toi. Est-ce que tu veux que je te mette... C'est quoi, je vais avancer le lieutenant un petit peu. Ah, tu peux passer ou pas ou t'es bloqué en déplacement après? Je crois qu'il va me bloquer le jeu hein, pour avoir quelque chose de... Ah si, je peux aller taper un truc. Tu peux passer? Oui, je peux taper un truc. Moi, je vais marcher dans un piège, mais je m'en fous. Ok, bah vas-y, je t'en prie dans ce cas-là. Oh là, c'est bon, hein, le jeu il m'a entendu râler, il m'a dit tiens, vas-y, prends ton spot là, vas-y, prends tes 6 points là. Voilà, donc nous avons utilisé un ordre de commandement, nous ne pouvons donc plus nous servir d'ordre de commandement. C'est bien fait. Une blague. Ouais, taper le loup ou taper le loup comme ça? Ouais, même le problème c'est que je vais le tuer comme ça, oui bah c'est ça. Je peux utiliser mon ordre tactique? Attends quoi? Mais je l'ai pas utilisé l'ordre tactique. Ah putain, on a pas de course moi, et surtout mais, et sur mes tanks je manque de course hein. C'est ouais. Officiel hein. Puis-je tenter un truc s'il te plaît? Les deux prochains à jouer sont loin. Ou alors tu veux aller tabasser du monde non, avec non, le prochain à jouer il est à côté de... Il est à côté du bar, oui. Bah va taper le tas. Ouais, je serais allé le détendre hein. Va taper le tas. Oh. Oh bah dommage, on en a que 3 hein, mais j'explique bien que les 3 ils sont là. On ferait pour la cuisine, chef. Là, il a voulu faire de la résistance. Qu'est-ce que je me pète? Celui-là. Voilà. Celui-là. Allez, un petit courroux. Oh la vache. Ouais, ok. C'est le lieutenant, il a dit tu recules. Là, il y a un loup qui joue devant. Jouer. Alors, est-ce que tu veux qu'on utilise, tant qu'on a du point, la foutue compétence de merde de l'autre con là? Ah oui, oh oui, ça couvre. Ça couvre. Ça couvre la brutality. Hein. Vas-y, si tu veux. Regarde, je me place là. Ouais. Brutality! Vous avez brutalité pendant 3 tours. Attends, c'est 6 mètres ça? Non, c'est 10, ça a été amélioré. 10 c'est pendant 3 tours. 10! Wow.
Ah, là, ouais. Effectivement, c'est devenu un petit peu rentable. Pour un point, monter l'équipe entière, ouais, carrément, ouais. Alors, est-ce carrément, que, mec. Faisons un peu moins. Ah oui, non, mais vraiment, tu vas péter la gueule à tout le monde. Ok, bon, bah, pète la gueule à tout le monde. D'accord. Ouais, bah, lui, là, en fait, la brutalité, ça marche bien sur lui. Hein. Je te cache pas qu'on lui a dit tape plus fort, il a fait ouais. D'accord. Non. Longue vie au meurtre. D'accord. Si vous le dites, monsieur. Hein. Vous voudrez pas vous contrarier, de toute façon. Moi, je voudrais tester un petit truc. Les prochains jouets sont qui? Ouais, non, ok. Je testerai ça après. Non, t'es pas convaincu. Je vais venir me mettre derrière à mon bon mur, avec un petit Zinlan. Mm-hmm. Même un peu... Un peu en retrait. Idéalement, ce serait là. Idéalement, ce serait comme ceci. Voilà. Voilà. T'as kiffé ta brutalité, hein? Ouais, ouais. Là. Là, tu vois, c'est dommage parce que t'es trop reculé. T'aurais peut-être pu avoir un loup en plus dans ton cercle. Ouais. Ouais, oui. Ouais, ouais. Tu m'autorises de péter un point avec Sophia, vite fait. Pourquoi? Je voudrais tester, voir si c'est rentable de faire l'ordre tactique sur Zinlan. Ah, ouais, vas-y. Alors, je peux le faire à portée, donc tac. Je peux le faire là. Ah non, ça fait dans toute la zone. D'accord. Ah, si je me fais engrainer, j'ai l'ordre, ouais. Mais ça reste de la merde quand même, hein. Désolé, mais... Oui, carrément. Ouais, sauf qu'il faut pas le tuer, lui. Faut rien tuer, sinon on saura jamais si c'est intéressant ou pas. Donc, tu viens de niquer ton tour. Félicitations. Bah, c'est pas grave, hein. Écoute, hein. Go. Donc là, normalement, on en a gagné deux. Oui, on en a gagné deux. On en a affiché deux. C'est... Ça va. C'est honnête, c'est carré. C'est honnête, ouais. C'est intéressant. Ça reste et là, je peux claquer mon ordre, je comprends plus rien. Donc, moi aussi, je peux claquer mon ordre, là. Quoi je sais... Mais, oui, attends. Oui, non, mais je peux, là. Je comprends rien quoi. Bah, alors si, parce que, en fait, tu vois. Hein. Ça me paraît logique, hein. Ah ouais, bah parce que... Non, pas ça. Voilà, c'est évidemment. Pas ça. Ouais, okay. Parce que moi, parce que, hein, vraiment, je vais me mettre... Faudrait que je me mette... comment je me place pour que tes clébards viennent me chercher comme ça? Ouais. Ouais, mais je vais quand même couvrir à mon taurus. Vas-y. Non. Un Edenal. Vas-y, carrément. Il tue pas, à part s'il fait le dégât max, ou un critique. Triste. Glorieux. Bon, allez, à la limite. 64, galvanisation, ok. Ouais, mélanine, tu vas servir à rien ce combat-ci. On va se rapprocher des deux là. Et ben, je vais pas t'empêcher de t'amuser avec ton copain en haut, donc qui reste à jouer? Un de tes persos encore ou... Ouais, il m'en reste un. Il m'en reste le lieutenant. Bon. Il reste Will. Est-ce que si je le tape de là, il peut bouger le monstre moche? Pouette. Je sais pas si ça te le fera shooter si je le déplace là. A voir. Hein. A voir ou on fait vraiment du fun jusqu'au bout, genre coucou, je viens ici. Et en fait, coucou, vas-y. Je pousse par là. Voilà. Et pan. Dans les fesses. Hop là. Dans le cucul, le monsieur, il a dit. Là où il y a la tête. Et puis bah l'alpha va aller dans le cucu là où il y a la tête, ça c'est vu par Os de Bard bien sûr, évidemment. Ah ouais bah Os de Bard va être pardon, t'as mis un -100. Bah c'est un lien avec la brutality.
Et je te laisse t'amuser avec ton as de barde. Oui, chic. Chic, des romains. Chic, des romains, genre vraiment, c'est ça, quoi. Putain, c'est tellement la brutasse, quoi. On s'amuse bien avec la brutasse, hein. Mon mur Phoenix gagne un niveau. Ah, et moi, non. Triste. Hop là. Par contre, le petit 10 de cuir supplémentaire, c'est... Oh, il faut déjà c'est payer, bien. Quoi. Non, mais c'est infernal. Non, faut pas payer. Bah, moi, j'ai 155 balles. Ah, non, c'est... non, il faut gagner du pognon. C'est ok, mais faut gagner du pognon. Putain, tu veux les rincer, en fait, nos gars. Bah, attends, là, ça fait... je sais pas, le jeu, il nous fait des rattrapages. Tous les jours, faut lâcher 250 balles. Là, il me saoule. La paye, c'est dans deux repos. Hop, je te remets de quoi faire du cuir. Et puis, hop, je vais prendre le reste pour faire de la viandasse. Ouais. Mon mur. Tiens, mon beau mur. J'ai tout ça sur moi. Dernier carré. Tant que cette unité n'a plus d'armure, elle a brutalité. Alors, c'est bon, des brutalités, on en a assez dans le crew quand même, là, à un moment donné. Voilà, on en a une de 10 mètres. Prise de combat applique désarmement à la cible pendant un round. Ne peut plus utiliser de compétences nécessitant l'usage de son arme. Ne fonctionne pas sur les champions. Ça, c'est bien dommage. Entraînement à la dure. Ah bah, entraînement à la dure, bien sûr. Pas de discussion. Entraînement à la dure, cette unité ne peut pas subir de poison, saignement ou brûlure. Oh bon, oui, évidemment. Vous avez d'autres discussions, j'avais d'autres arguments. Non. C'est bon pour très vous. Honnête. Et j'aimerais bien. Par contre, tu vois, j'aurais bien aimé savoir ce que ça faisait en amélioré. Je suis sûr que ça faisait un truc encore plus fort. Bah, je pense que ça t'aurait permis simplement de désarmer les champions. Bah, c'est ou, tout, hein, ce que tu veux que ça fasse de tours. Plus de tours. Ah oui, ou plus de tours, ouais, pendant deux rounds, c'est possible. Ce qui aurait pas été fou. Mais l'entraînement à la dure, je voudrais bien savoir ce que ça fait en amélioré, ça pourrait être drôle. Ah, bah moi je l'avais amélioré, mais je sais plus c'était quoi. Non, mais toi et ta mémoire, je sais très bien qu'il faut pas te la faire travailler. Mais c'était top parce qu'après t'étais vraiment immunisé à tout. Ouais. T'avais l'immunité, je sais plus si t'avais l'immunité, tu gagnais l'immunité à quoi encore, mais c'est quoi le troisième type de truc qu'on a? On a brûlure, poison, saignement. Et la fièvre. Et la fièvre, ouais, je crois que c'est ça. Après, même les maladies, tout ça, t'en as plus rien à foutre en fait. Ouais, ok, d'accord. Après, tu cours dans le truc des rats, tu fais lol, c'est mubusant votre truc. C'est mubusant. C'est quoi ce machin? Alors, trois politiques possibles avec notre capitaine. Ah, le capitaine aussi a monté? Bah, c'est mon mur qui augmente là. Ah, ok, vas-y. Mon mur passe niveau 8. Soit plus de force. Déjà, plus de force et plus de force. Et plus de force, plus de dégâts critiques, ouais. Plus de dégâts critiques. Soit plus de mouvement. Pour passer à 14, mais je trouve qu'il bouge déjà bien. Bah, il bouge déjà bien, surtout avec le trait amélioré. Quand il engage et qu'il arrive à se désengager dans le même tour, il a double déplacement. Donc, Soit ouais. Le jeu me proposait aussi plus de volonté, ce qui est pas déconnant, puisque ça ajouterait donc 2 de volonté ouais. Au groupe général, et donc 1% de critique, ce qui est pas non plus vilain. Oui, moi je te dirais de la volonté, parce qu'on va en avoir besoin très rapidement. À un moment si donné, oui, ça peut voilà, effectivement être nécessaire. Donc voilà, exceptionnellement, on a un capitaine avec 16% de chance de coup critique quand même. Oui, bon, c'est... Ça fait des bons gros veaux, hein, ça fait des... Ah, t'as posé de la bouffe. Oui, non, c'est les trucs que j'ai dans... C'est les trucs que je fais en désossant des carcasses. Hein? C'est pas normal. On a la peau et le séchoir à viande. Bah oui, mais le séchoir à viande, c'est moi qui suis dessus, normalement. Ah non, c'est toi qui es dessus. Non, c'est Mélanie qui est dessus. Ah, c'est pour ça que c'est toi qui les récup. Oh, ok. D'accord, ça me faisait chelou. Alors, en général, je les garde. Hein. D'ailleurs, j'en ai beaucoup. Hein. J'en ai 75 en réserve parce que ça pèse très peu de poids, en fait. Oui, non, mais je les mettais pour que tu les récupères, en fait. Yes, it is noon. Ah oui, on a encore des sardinas à la connasse à passer, là. Ouais, passe-moi ça là-dedans. On est à 50 sur 50, pas d'alcool, parfait. Truc, ouais. Niveau de danger moyen, 10. Oh, ils auraient pu pousser un peu. Y a pas de bonheur. Ah, y a pas de bonheur. Pas de bonheur pour ce coup-là. On va perdre 1. C'est pas acceptable, hein. Je sais, hein, tu l'as pas dit, mais je sais que t'as senti que c'était pas acceptable. On va perdre un de bonheur. Non, on va en avoir du bonheur, hein, t'inquiète pas. Hein. Sûr? Bah oui, le feu, il y a 3 personnes dessus, on sent. C'est vrai.
Allez, on continue notre cure de désintox. Voilà. Ah oui, c'est vrai. On est pas mal. On est bien vu. Et on a gagné pas mal d'influence au fur et à mesure. Comme on l'utilise pas, c'est cool. C'est vrai. Ah, au passage, le lieutenant, mon lieutenant, il est où? Dans la... Il y avait la rupture des tendons qui mettait donc le ralentissement. Et donc là, tu changerais pour une arme qui serait plus pourrie. Je sais pas, moi je te... Je ah ouais, sa lance est meilleure. Bah ok, bah tant pis. Et lui, il fait quoi son truc déferlante de coups? Inflige 4 fois 11 dégâts à la cible. 4 fois 11 dégâts à la cible, c'est pas déconnant. Bah surtout que tu multiplies tes chances de crit quoi. Blam 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 blam. Et qu'on est sur un mec qui a quand même 27% de crit. Donc ça veut dire qu'un de ses coups est forcément un critique. Techniquement, si un de ses coups est un critique, on est d'accord. Mais cette lance est nulle. Ce qui est un problème. C'est la tristesse de la situation. Bon, après, il a un petit swag avec, hein. Ouais, surtout, on peut c'est partir sur officier, l'idée de c'est du swag, pourquoi pas. Ça, faut voir Stevie. Où Stevie? Hop là. Ah, j'en ai marre de les chercher sur le campement, ça me saoule. Stevie en. Ah, ça te ferait une lance. Ça améliorerait la lance de Stevie, mais par contre, Stevie perdrait l'empalement. Voilà. Mais on gagne un peu de dégâts, donc non, ça peut se faire. En fait, ils ont inversé leur valeur de dégâts, sauf qu'il y en a un qui techniquement va mettre un coup critique à chaque tour. Ok. Donc c'est pas mal. Bon, allons-y, hein, plions les Gaules, allons jusqu'à Cortia. Ou là, je sais pas, il y a quoi, t'es en train de visiter ça là. Il y a un champignon là-haut. Un champignon avec très probablement de villes créatures dans. Voilà, regarde, ce sont de villes créatures. Assaut! Combattre. Ouf. Attaque surprise en plus. Hein. Ouais, parce que tu sens qu'ils vont passer une sale journée. Bah, 10% de dégâts supplémentaires, ils vont subir. Donc si tu peux jouer Taurus avant. Oh! Ah, Taurus, il a régalé, hein, il est devenu capitaine d'un coup. Pouaille! Il est devenu capitaine à la place capitaine du capitaine en 2 secondes. Bah, en fait, t'as un build support comme ça. Ah! Oh! En plus, attends, y a un petit emplacement possible pour ranger un capitaine là. Ouais. Alors, on peut mettre un petit capitaine genre au milieu de la foule là, ici. Il peut se passer des choses. Hein. Je vais mettre un Zinlane un peu plus avancé, une tirailleuse là. Edena, elle est très bien. Mélanine. Ok, tu feras gaffe, t'as un Stevie qui est loin. Stevie, hein. Il est arrivé, Stevie. Hein. Il est là, Osdebard. C'est très bien ce que Osdebard doit faire. Taurus par ici. Il va partir solo. Osdebard, voilà. Il va partir solo. Zissi, ah, peut-être pas, parce que je me dis par là, je touche tout le monde. Peut-être, faudrait peut-être se glisser un peu par là, je sais pas si c'est possible. Attends, fais voir ton move. Oh non, c'est bon! Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. On vient de vérifier. Ça va bien se passer. Ça va mal se passer pour eux. Et d'ailleurs. Oh attends, c'est des déserteurs, ils ont des nouveaux trucs eux. Indépendance, déserteur, les attaques des unités appliquent fragilité pendant un round. Tant qu'elles sont adjacentes à au moins 2 ennemis. Ça, c'est chiant. Soif de liberté, les unités gagnent galvanisation tant qu'elles sont adjacentes à au moins 2 ennemis. Oh. Oh. Ils sont vénères. Bon, bah, le problème, c'est que Osdebard va pas pouvoir profiter de la brutalité. Est-ce que je suis en train de me dire Osdebard avec la brutalité, on en parle ou pas? Non. Non, non, on n'en parle pas. Il n'y a plus de discussion. On évite. Sachant que tu ignores 100% de la garde, hein, toi, donc tu t'en bats les couilles, en fait. Oui, non, mais moi, je roule juste sur les gens, ça se passe très bien. Officiellement, lui survit, là. Il y en a un qui survit, là. Le jeu m'a dit, trop faible. Bon, bah, bonjour, toi. Ça va quand même. 96, ça me fout. Le pire, je crois que c'est nul, hein. Le pillard. C'est celui qui est nul, là, qui fait son ciblage qui dure 3 zones. Ouais. Ouais, c'est de la merde, c'est ça. Y'a quoi? Y'a un Soudar qui doit jouer. Y'a le Rodégala qui doit jouer. Ils ont des chefs ou pas? Alors attends, lui il va jouer au prochain. Est-ce que je peux courir dessus? Est-ce que ça te va que j'aille l'embrouiller? Vas-y, embrouille-le. Hein. Est-ce que je suis bien au corps à corps en fait quand je fais ça? J'ai pas l'impression que je suis au close. Ça me dérange. C'est au close ça? Ça a l'air, hein. Ah oui, okay. Là tu lui... Voilà. C'est bon, c'est fait. Est-ce que tu veux donner des points avec mon mur?
On peut donner des points avec mon mur. On peut donner des points avec mon mur qui va régaler. Qui va régaler à donf. Hein. J'allais dire, attends. Si un lieutenant donne un boost d'ordre à mon mur et mon mur fait après le cri du capitaine, ça fait quoi à ton avis? Ah, est-ce qu'on fait deux fois? Ouais, c'est pas déconnant. Hein. C'est pas déconnant hein, ce que tu dis. Pose des questions stupides des fois. Non, c'est vraiment pas déconnant comme question. Est-ce qu'il y a moyen de casser le jeu, c'est pas fou hein. Sachant que c'est de la zone maintenant, parce que en vrai, si t'étais toujours une seule personne, ça serait chiant. Mais si tu touches plusieurs personnes, ça devient nettement plus intéressant. Ah oui, d'accord. Oh mais ok, d'accord, oui. Les deux gros, ils sont. C'est du soutien. Logistique. Je me dis, il y a des archers, avec un peu de chance, s'ils sont débiles, ils vont tirer dans mon bouclier. Par contre, ce que je peux offrir maintenant, c'est jouer Taurus. Alors, décidément, excuse-moi, je joue tout le monde, hein. Mais. Vas-y. Taurus qui n'était plus joué en début de tour. Taurus qui était plus personne. Les gens avaient oublié qui c'était. C'était presque. T'es inlane, toi? Eh oh, calme-toi. Calme-toi à un moment donné, hein. Calmez-vous, là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Wouah. Et il a pas crit. Ok, j'ai rien dit, il a crit. Engagez-vous, qu'il disait le monsieur. Voilà. Oh, fait, lui. Oh, mais vraiment, c'est personnel, je crois, là, non? Y'a un truc. C'est quoi, c'est un ex? Ça se passe comment? Y'a des bails? Cet épisode est trop long, Shinai. Mm-hmm. Vite, tu les tous! Ouais, bah après, c'est F, hein. Lef. Déjà à l'heure de la bière? Je sais pas. On a dit que c'était personnel. Ouais. On a dit que c'était personnel. Indépendance. Il a subi augmenter de 30%. Ok. Ouais, bah écoute, c'est déjà pas mal. Aïe, t'as mal. Je peux déplacer quelqu'un sinon là. Je peux. Vas-y si tu veux. Garde l'efficacité d'un homme. Permettez-moi de vous soigner. Merci mon lieutenant. Non, c'est fini. Oh, j'ai été trahi. Voilà. J'ai malheureusement rien d'autre à t'offrir. T'as pas le courroux? Ah, si, mais attends, je crois. Je peux pas le faire, j'atteins pas le corps à corps. Pour le faire, faut que je dépense un point pour aller là et faire ça. Et tu es libre, voilà. Voilà, c'est tout ce que je pouvais faire. Yes. Bah écoute, hein, on va jouer ceci, hein. Hop. C'était ça, là. Ouais, un peu, ouais. Oh, et je peux même pas retourner au corps à corps alors que j'avais calculé pour. Je te hais. Aïe. Eh ben. Ça commence à être très très personnel, hein. Yippee-kai. Yippee-kai. On s'en fout. De quoi? Va pas te mettre dans les flammes non plus. Ah, je suis bien.
Pas pour pas passer dans les flammes. Ça sert à rien, il y a deux veaux là-haut, ils vont casser la gueule à tout le monde. T'emmerde pas, hein. Je tabasse un capitaine si je fais ça. Hein. Donc ouais, d'abord on va peut-être je tue ce mec. Je crois qu'il est mort, je suis pas sûr. Enfin, pas de preuve, mais. Ça a l'air d'être pas mal. Hein. Oh le mec, comment il bat, genre c'est chiant là, en fait comme quoi. Tu peux pas les tuer un peu plus vite là, s'il te plaît là. Ce marteau qui est absolument pas rentable du tout. Mais alors, pas du tout. Hein. Bah je vais te taillader. Alors on a dit taillader, pas perforé d'une lame dans le bide. Oui. Oh démoralisé, oui. Oui, non, parce qu'après on est pas sûr. Il y a quelqu'un qui l'atteint là au moins ou à l'autre con ou pas? Ouais. Attends, moi déjà je peux aller lui mettre un petit coup de pression avec un capitaine, genre juste là. Pression. La pression. Le gars il est dans son buisson. Ah oui, oui j'ai du lancier, ça y va. J'ai Vas-y, du lancier qui y va. Hop hop hop. Une petite brutalité en plus offerte. Un petit 70. Ok. C'est pas suffisant, il me faut plus de blastage, t'as pas plus de blastage là? Oui. Oh, j'ai de la lance, attends, j'ai de la lance. Oh vas-y. Attends. C'est le moment de voir si c'était intéressant comme investissement. Hein? Oui, tabasse-le. Bon, on fera jamais. 20 Bah 20. 2 x 20 Et le gars m'avait dit 11, bah non, si je fais du 4 x 20, ça fait 80 dégâts hein, dans les gens. Hein. C'est pas dégueulasse. Ouais, mais c'est parce qu'on avait la galvanisation et... Le... Ah oui. L'amélioration. D'accord. Et Zinlen vient de passer niveau supérieur. Il est niveau 100 ? Niveau 8. Ça y est, toute la squad commence à monter niveau 8. Ça commence à être pas mal. Alors le jeu me propose soit de la constite, soit du mouvement, soit de la volonté. Mm-hmm. La volonté m'augmenterait de 1% de mes coups critiques. Je passerai à 31%. Ou alors j'augmente Vanilla avec le plan de carrière. De 2% les chances de coups critiques. Attends, il propose quoi? Lui, il te propose d'augmenter ton crit, c'est ça? Non, il m'augmente volonté. Il augmenterait de 1% mon crit gratos. Sur qui? Sur Zinlen. Zinlen? Je vois pas le... Ah, pour gagner, ça te fait ouais, ça te fait quand même monter 1% ton crit. Ouais. Non, je pense pas. En fait, c'est un mec, on est tellement en train de meuler son crit depuis son taux de crit que je serais toi, je continuerai à meuler son taux de crit terminé, quoi. Ouais, ouais. Bon, okay. Vraiment, comme des sourds. Jusqu'à qu'il soit à 100% de chance de crit tout le temps. Ouais, ok. Et bah, il est à 32. Comme des gros sourds, là. Et je vais lui monter Frisson de la chasse. Chaque attaque effectuée à plus de 8 mètres de distance confère un drage. Quand elle sera augmentée, ce sera 6 mètres et 2 drages. Comme Edenal. C'est bon ça. Ouais. Voilà, c'est Parce bon, j'ai terminé. Edenal, c'est vraiment le meilleur. Bon, à l'heure actuelle, mais. Mais Gajo ne sert pas à grand chose. Hein. Tu. Bah, le problème, c'est qu'on a un marteau. Qui c'est lui, c'est le seul qui sert à quelque chose. Non! T'en fous. Mais pas payé pour. Regardez juste, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, ouais. Ce qu'ils disent tous quand ils ont un marteau tiré. Il y a du fer. Ah, putain. Oui, il y a du fer un peu plus loin. Je regarde juste c'est quoi cette zone. On y est allé ou pas? Ça me dit rien. Ça me parle pas non plus de ouf, là. Fais voir, attends, on va leur parler. Ah, c'était quand on est allé buter le pestiféré ici. Ah, ouais, ok. Et... Ah, c'est une quête. Elle donne une récompense à madame? Bah, non. Elle Et a monsieur, donné 10 pièces d'or la dernière fois. Ouais, bah on peut lui donner de la viande séchée pour gagner. Allez, tiens, vas-y, on en a plein. Hein, allez, ça va nous alléger un peu là. Voilà, parfait. Voilà, y a pas une menthe qui traîne, y a rien. Non, je suis en train de regarder, ici. Mais. Attends, vraiment. Maison de clodo, quoi. Bon, bah, c'est ouais. Là. Lui, les clochards, heureusement qu'il y a du fer derrière chez vous. Hein. Parce que vraiment. Ah, il y a du bois aussi en bordure de forêt, je vois. Là. Ah, bah vraiment, mon groupe il veut pas. Ah oui, putain, je le vois. Tac, 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 tac. Vivement qu'on trouve une scierie un jour, hein, parce que le bois, waouh.
T'en as pas, t'en as pas. Y'a pas beaucoup de marchands quand même hein, qui sont présents. Bah en fait de ce côté là y'a personne, mais l'autre avantage aussi c'est qu'il y a pas de garde. C'est vrai. Faut savoir apprécier aussi les bonnes choses quand on va nous sont données. Oui, carrément. On voulait tester le comptoir d'Arthès. Il faudra aller chercher quelque chose au comptoir d'Arthès, mais déjà il faut aller prendre la quête et vendre nos bignoux. Là. Tavernier. Une tavernière, peu importe. Donne la thune. Consultez. Consultez. On peut toujours pas négocier nos primes. Hein. Non, c'est triste. Repère de brigands bien gardés, difficile. C'est au sud, c'est pas ce qui nous intéresse. Ça nous intéresse pas. Mais après, tout est au sud, hein, donc. Par contre, le prix des primes a augmenté, je trouve. Parce que 270 pour un difficile, c'était pas autant. Bah, oui, avant les primes étaient dégueulasses. Là, je vois Arag à 355, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est le boss de l'arc. C'est le boss de l'arc. Tu veux aller le chercher, c'est ça? Non, je te le disais juste. On peut aller chercher. Hein. C'est juste une question de voir les forces de l'ordre, tout ça, quoi. Mais, Ouais, mais il faudra faire impérativement un repos avant, histoire d'avoir des points d'avance. Oh bah ça arrivera forcément. La question c'est, est-ce que tu veux faire ça maintenant, ou on reste dans l'optique de, on va à Stramcam, on rend la quête, pour aussi récupérer à nouveau des bouquins. Bah là, le but... Parce qu'on est plusieurs à atteindre le niveau 8. Ouais, bah donc oui, carrément, go, hein. Faut prendre un truc sur la route. Le sud-est, il y a rien d'intéressant. Non, il y a rien. Il y a rien sur notre chemin. Donc là, en fait, il y a R. Elle vend rien d'utile de mémoire. Tu ne vends rien d'utile. Par contre, vu que tu sers à rien, madame, tiens, tu veux pas un arc, des lances, des couteaux, des haches. Tous les taverniers savent qu'ils ont besoin de couteaux, de haches, de lances, de bataille. C'est très important. On vient de remonter. En budget, ouais, on s'est remis bien là. 750. J'ai récupéré du tissu. Et aussi. Oui. Mais c'est bien. On peut aller au comptoir aussi. J'ai un truc à récupérer pour vérifier un truc. Oui, les fameux. Oui, les fameux bouts de machin là. Vas-y. Ouais. Vas-y, récupère. Je vais en prendre 3. Récupère tout même. Ah, récupère tout. Récupérons tout, parce que j'aimerais voir si avec les marchandises on peut tout porter, parce que si on peut tout porter on prend tout, on termine. Hein. Ouais, vas-y. Hop, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur dame. Est-ce que ça a de l'intérêt de restocker de la corde? Je sais pas, c'est à toi de me dire. On en a deux là. Ah, tu voulais pas 5 degrés? Si, il me faut du gré, ouais. Ah, on a pas assez de thunes pour tout pour t'acheter déjà. Triste. Sachant qu'on va avoir la prochain repos, hein, pas maintenant. Prochain repos, faudra payer. Ouais. Donc faut un repos et pognon. On devra payer. Oh oui, c'est du pognon là. Vend pas toute la bouffe, le mec. Non, pas tout. Pas tout. Il en reste 10 là sur nous. Hop. Vas-y. Bah, prends les marchandises et... faut que je vende encore... Des champignons, ça pèse lourd, les champignons. Hop. Et je t'ai pas encore pris ton gré. Bah, c'est pas grave. Si, t'inquiète, j'ai encore du stock. Tiens, ça, parce que je peux encore faire 8 côtes de porc. Oïs, la saucisse, non, on va garder. Sinon, après, on va vraiment descendre. Bah, au moins, je suis sûr qu'on a 2-3 repas tranquilles devant nous. C'est bon, hein. Il faut 25 pour acheter le gré, hein. Donc c'est bon, hein. 3, 4, 5. Voilà, ouh, merci. Le campement. Alors, le gré, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que j'ai besoin? Où est-ce que j'ai besoin du gré? Bah non, je suis con, on est con. Le gré, j'en ai besoin, mais pour monter le... Je le prends quand même, hein. Ouais. Mais pour monter le feu de camp. Ah oui, oui, du coup on n'avait pas pris le feu de camp puisque pour l'instant c'était pas utile, mais il y avait la tente. C'est du cuir, du tissu. On a le tissu pour refaire la tente là. On a le tissu, on a le cuir maintenant. T'as 12 et de tissu sur toi là? T'as combien? J'en ai un. Ah oui, donc nous on n'a pas le 10 tissu qu'il faut. On en ouais, a 8. Et en plus il nous manque 2 de cordes. Il nous manque 2 cordes. Non, il nous manque pas 2 cordes. Ah bon? T'as des cordes sur toi?
Oui, j'en ai 5 dans mon stock. Ah, hein. Ok, d'accord. 5, j'en ai 5. Ok. J'ai... Non, il va nous manquer que du tissu, hein, que des conneries. Que du tissu, la marmite, la marmite, la marmite. Du bois, du bois, du bois, du bois. J'ai 5 de bois. T'as pas un bout de bois, là? Du tout, j'en ai pas. Bon, bah, on peut pas la faire, dommage. Mais de toute façon, on l'a déjà faite, non? De quoi? Bah, oui, la marmite est déjà faite. Oui, la marmite, moi, c'était la 2 étoiles qui m'intéressait. Ah oui, d'accord, oui. Non, je parle dans les recettes qu'on a déjà. Donc, les séchoirs, ils sont faits. Lutrin, c'est bon. Table de stratégie, c'est bon. En fait, il y a vraiment... j'ai ma réponse. On a que l'attente. Alors, j'ai ma réponse pour l'étendoir à peau. C'est l'étendoir à peau niveau 1. Enfin, avec une étoile qui permettra d'avoir des carcasses spectrales. On pourra faire des cures spectraux avec? Ouais. Non, trop fat. Bah écoute, on les garde, de toute façon on a de quoi transporter tout ce bordel donc. Oui, on est un peu blindé là. Bah là on est pas mal. Écoute, on a rien. Pardon, j'ai quitté. Je pense que c'est le mieux. Non, merci. J'étais en train de manger ma pelle à tarte et ma pelle à gâteau. Bah s'ils ont rien, on a. Petit carte, t'as des choses à faire peut-être ou pas? J'en sais rien. Ah, je peux peut-être. Non, on n'a rien utilisé, j'ai pas de bouteille vide, j'ai rien de truc. Regarde, hein. Qu'à faire. J'ai pas d'huile, j'ai rien, j'ai pas de flasque vide, non. Attends, j'ai rien. On est tellement des clodos, sa race. J'ai rien. On est des clodos de l'espace. Eh ben écoute, moi ça me paraît être. On se met au campement, parce que le temps défile pas au campement. Ouais. C'est paraît être un bon endroit pour faire des bisous à YouTube et leur dire l'année prochaine. Des bisous YouTube! Ciao.